Si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, oh, si tu entends ma voix, réponds vite à mon appel. Si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, yo yo yo, si tu entends ma voix, réponds vite à mon appel. Je t'appelle au secours, je t'appelle au secours, réponds vite à mon appel. Yesoué, Yesoué, yo yo yo, Yesoué, tu entends ma voix, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Yesoué, Yesoué, yo yo yo, Yesoué, si tu entends ma voix, une fois encore, Yesoué, Yesoué, c'est ça. Yes, yo, Yesoué, si tu entends une dernière fois, Yesoué, 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 yo, 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 Yesoué, si tu entends ma voix. Avant que Dieu ne réponde à ton appel, nous on va déjà répondre à ton appel et on va t'applaudir. On applaudit s'il vous plaît pour Tatiana. Tatiana Sandrine, ou Sandrine Tatiana. Sandrine Tatiana. Sandrine Tatiana, comment ça va? Ça va très bien. Alors tu vas te présenter aux téléspectateurs vite fait, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. D'accord, je suis à l'état civil, mademoiselle Digbe Sandrine Tatiana. Et Sandrine Tatiana, c'est mon nom d'artiste. D'accord, et Sandrine Tatiana qui nous réserve un show bientôt. Oui, le 24 novembre du côté d'Abobo, à la paroisse Saint-Joseph, époux d'Aboboga. D'accord. Les tickets sont au prix de 1000 francs. C'est un concert en reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Est-ce qu'il y a un contact à passer aux gens qui veulent se procurer des tickets ou qui veulent essayer de rentrer en contact avec des responsables? Oui, bien sûr. Mm-hmm. C'est le plus 225 05 44 68 45 01. C'est pour le 24 novembre. Une fois de plus encore, le contact, s'il te plaît. 05 44 68 45 01. Eh bien, je pense que tous les Ivoiriens vont répondre à l'appel et on va beaucoup la soutenir avec des acclamations et on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Vas-y, Tatiana. Voilà. Alors, Lewis, tu peux maintenant éteindre la lumière et me faire briller. Mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, bienvenue à Willy à midi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et vendredi, on ne tue pas au champ, on fait le show, on s'ambiance bien et on allume la télé. Et pour cela, recevez le payasseur Willy Dabo. Ça va, 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 ça
Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, ça va. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle est portée aujourd'hui, vendredi, je me suis habillé en blazo, hein, pour arriver. Tu t'es mis en sorte, ouais, j'ai l'impression d'être confié au Lomide, quoi. Je t'ai dit, hein, chaussures alligator sur nous maintenant. Petit langage, La soeur Tatiana qui est venue tout à l'heure là pour chanter avant qu'on ne vienne là, vraiment elle a chassé tous les démons. Hein. Ah oui, c'est purifié, c'est purifié. Mais s'il vous plaît, quand on vous demande de chanter à côté, à cause de Dieu, si vous n'avez pas la voix, laissez, vous pouvez faire. Mais j'étais là-bas et puis j'entends. Prends-moi. Ça, c'est voix des baoulés là, ça. Ils sont nombreux ici à traiter des trucs. Hein. Hé, hey, baoulé, baoulé, nia. Viens. Tu es venu t'asseoir ici, on dirait que tu as raison. Attends, t'as même pas le micro. Il y a un micro. Tout compte fait, tu peux pas parler pour m'attacher parce que on va même pas t'entendre. Après leur expérience lors de la première saison de Secret Story Afrique, la première du genre, ils sont à Abidjan pour des retrouvailles qui s'annoncent épiques. Ils seront avec nous tout à l'heure pour en parler. Les candidats de Secret Story Afrique saison 1 seront avec nous dans quelques instants pour la meilleure moment de télé. En attendant donc de les recevoir, on aura aussi, bien sûr, donc pour la petite histoire aussi, un autre fou. Voilà, donc s'il y en a un ici qui a perdu les boulons, il y en a un autre aussi, bien sûr, donc qui essaie de les retrouver. Magnifique sera avec nous aussi dans quelques instants pour nous parler d'un événement. Voilà. Mais avant de recevoir tout cela, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dumbo et que... Les fous ici. Waouh. Et sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon honneur, les esprits. Bienvenue. À quoi va la famille, merci à tous de vous retrouver sur la chaîne. Si vous voulez, canal 6 de la TNT, merci infiniment, merci. Le plaisir à renouveler tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de novembre. Premier jour du mois de novembre, aujourd'hui, c'est le vendredi 1er novembre. Et on pense à tous les saints, à tous ceux qui sont partis et autres. Voilà. Et donc, pour ce faire, n'oubliez pas que mon anniversaire, Jouzi, moins 15. Voilà. Mais s'il vous plaît, cette année-là, essayez d'innover. Chaque année, vous venez sur le plateau ici, vous cherchez que la personne pleure. Attends, moi, je ne pleure pas comme ça. Donc, innovez. Hein, vous pouvez même m'appeler simplement, c'est bon. Parce que moi, je n'aime pas fêter. Cette année, on va te kidnapper pour partir toi quelque part. Merci, c'est bon. À la mairie. Tu sais, bon, Jumeau, vous voulez parler, mais où il est là? Il est bon, il n'a pas de micro. Jumeau, va chercher le micro. Jumeau, regarde comment tu es beau à la télé. Hé, hey, Jumeau, tu es beau, hein? Jumeau, il ne sait pas. Allez, la famille, vous le savez tous, sous les vendredis, on démarre bien sûr donc avec les Bognans. L'homme, vous le voyez de moins en moins parce qu'il est en train de préparer un album avec de grosses collaborations, bien sûr. Le côté musique, bien sûr, il est en train de reprendre le volet sur le côté musique. Et donc, il vient une seule fois seulement la semaine parce qu'il a sa carrière aussi. Mieux, il prépare aussi des événements. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour le coco, les cocoins. Oui. Merci. Merci. Oui. Alors, tapez chaud. Est-ce que ça va? Est-ce que les Wabiens sont là? Est-ce que les Wabiens sont là? C'est Marie! Tapez chaud! Yeah! Wow! Yeah!
petit petit génie. En bonne espoir, espoir. Allez, déjà, y'a bien, mariage, tu vas te marier, amen, on est bon. Mariage, tu vas te marier, toi le célibataire, tu vas te marier, toi la vie qui n'a pas de vie, tu vas te marier, toi depuis tu ne gagnes pas au foyer, tu vas te marier, allez mariage, yo yo, tu vas te marier, junior, junior, nyamke, masse, 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 les borisse, le boss, tu t'es agri, joyeux anniversaire. Ma soirée gorissée, joyeux anniversaire. Oh Jojo, Jojo, le silencieux, on te voyait, wow, wow, wow. Où est passé, blindé, blindé, immobilier, maman, amané. Ah, oh lolo, oh lolo, oh lolo, ah, oh lolo, oh lolo, oh lolo. Margot de l'autre, t'as fait chaud, oui. Sogine, yo, yo, maman, amana, bachon, bachon. Yobine, yeah, yeah, papa, amana, bachon, bachon. Oh, yeah, maman, amane, maman, amana. On appelait Geneva, on dit à la Calebas, 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 oui, Calebas, 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 oui! Prenez ça, prenez ça, c'est 100 euros, 100 euros. Aujourd'hui, c'est le premier, c'est voilà. Ça, tu seras à Macquarie. À Macquarie, au Giga. Ici. Mais rendez-vous après pour le 9 novembre. 9 novembre. À partir de 16h. Voilà, pour mon à la diaspora. À la diaspora, Yopougon Millionnaire, ouais. Juste à côté de la pharmacie du Millionnaire. Il y aura Tiasco le Sultan. Qui a pris son ticket? Commencez après. Il y aura Tiasco le Sultan, Ramses Tikaya, DJ Mouasco, oui. Lamine TPJ, oui. Kadi Power, oui. Team de Poy, oui. De Perpignan. De Perpignan. Donc, et le parrain Moussoumoua. Winnie Dambo. Parrain, marraine et Kumbundoué. C'est le parrainage. Le conseil de Wai, le 9. Ah, c'est le parrainage. Le 9 novembre, ça va chauffer. Oui. Allez, info là, 07 59 18 62 79. 07 59 18 62 79. Ou 07 97 48 33 36. 07 97 48 33 36. S'il vous plaît, n'oubliez pas que chaque fois qu'on donne un numéro ici, là, les amis, n'appelez pas pour demander de l'argent, parce qu'eux-mêmes, ils se cherchent. On marque une pause, à tout à l'heure. Pub. Comme on a retour sur le plateau du roi, merci infiniment d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Allez, nous sommes le 1er novembre 2024. Qu'est-ce que vous avez raté hier, 31 octobre 2024? Ça s'est passé hier dans WAM, regardez. Alors Kevin, il y a quelqu'un, on a regardé un reportage tout de suite et le reportage a donné un mot qui nous-mêmes nous fatigue. Le mot, c'est apotropaïque. Ah, pourquoi? Quel est le dernier foken que tu as fait et puis elle s'est fâchée? C'est le jour où je suis sorti, elle m'a suivi de près, elle m'a attrapé avec ma copine. C'est ça. Oui, bébé, je t'aime, je te prie de me pardonner de tous les fautes, les erreurs que j'ai commis dans le passé. Quoi? On ne comprend pas. Hein? Tes camarades ont fait, toi tu as moulé. Tu dis coup froid ou bien? Jesus! Cadeau, y'a pas mouvement, j'suis gâté dans les mouvements, mouvements. Cadeau, y'a pas mouvement. Yo yo! Wesh wesh, ya ya! Yeah! C'est pour ça, le CB, c'est pour ça.
La plus grande somme que moi j'ai épargnée, c'est pratiquement 800 000. Mais moi je n'ai pas l'argent à la maison. Parce que si les gars à la maison là, ils vont prendre. Qui va prendre? Mes petits frères. Donc ce que je fais, les gars donnent une banque. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Gang gang gang. Il y a la télé. Tu vois les lights à nous. Tu ça fait combien d'années? Ça c'est quoi déjà comme technique au fait? Mon support c'est la natte. La natte. Oui, donc j'utilise la natte pour faire mes créations. Et mon travail consiste à recouvrir certaines parties de la natte et laisser d'autres de telle sorte à montrer une image. Tout le monde, tu te maries quand? Willy, super marié. Didi Bear marié. Tu te maries quand? Tout le monde? Quand. Willy! Le nouveau projet donc de Suspect 95 est prévu pour sortir demain. Demain sur toutes les plateformes. Cette nuit là, minuit, c'est ça. Donc le soir en même temps, ça se trouve. À minuit là, c'est quelle heure? Il était fait quoi juste? On va venir. Tu sais, tu te reconnais. Tes amitiés d'internet ont gâté tout ce qui est solide. À la fin, tu as resté solo. Je sais, tu te reconnais. Tes amitiés d'internet ont gâté tout ce qui est solide. À la fin, tu as resté solo. Mais puis toi, tu vis mon corps. 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 La petite amie, vis mon corps. Incroyable! Wow! Franchement! Ce qui se passe ici tous les jours à WAM est impressionnant. Hier, avec Suspect, c'était magnifique. Moi, j'ai surtout adoré le coup du basket. Et toi, de Perpignan, qu'est-ce que tu as adoré hier, puisqu'aujourd'hui, on est vendredi? Hein, de Perpignan? Vraiment, c'est difficile quand tu parles tous les jours et puis on t'empêche de parler. Ouais, vraiment. C'est difficile. Ouais, mais ouais. Hier, j'ai vu des gens. Surtout le rappeur là. Ouais, Suspect 95. Oui, non, pas non, l'innocent. Ah, innocent 45. Voilà. Qui a failli te faire déménager de tes bureaux. Si, si. Oui, parce qu'il a chanté, il était presque. Franchement, crois-moi. Il a poussé le boucher un peu loin. Ouais. Mais c'est même les mêmes tests qu'avec Suspect. Hein. Si, si. Suspect, innocent, les deux quand même sont à la justice. Soit tu es innocent, soit tu es suspect. Soit tu es suspect, ouais. Franchement. Maintenant, Martin, là, il y a un gars qui est venu. Oui. Oui, il m'a donné un truc là, je ne sais pas c'est quoi. Et ça, c'est quoi? C'est euro. C'est l'argent? Ouais, c'est l'argent. Il y a les gens qui utilisent ça ici encore? Non, oh, ouais, oh, bon. c'est pas une pièce de Monopoly, rassurez-vous. Ça m'étonne, ça fait des milliers d'années que j'ai pas vu ce truc-là. Non! Bon, normalement, une personne qui dit ça est à même de nous donner un billet de 10 000. Et même, avant de vous. La pièce date de 1996. Il faut respecter. Je pense que... Ce sont des pièces qui sont restées dans le disque. C'est déjà périmé. C'est périmé. Ça, tu prends comme ça et puis tu jettes. Ouais. Exemple. Non, on ne jette pas derrière, on jette toujours devant. Enfin, du bruit, s'il vous plaît, pour le citoyen lambda de Perpignan. Allez, la famille, vous le savez tous, hier, c'était le 31 octobre 2024. La campagne Octobre Rose est officiellement terminée depuis hier, comme je le disais tantôt. Donc, toutefois, nous vous invitons à continuer la lutte contre le cancer du sein. Et bien sûr, donc, pour ce mois de novembre, nous allons passer au bleu, puisque c'est novembre bleu. C'est le mois qui est dédié, la couleur qui est dédiée donc à la lutte contre les cancers masculins, notamment celui de la prostate. Et comme pour octobre, nous aurons chaque jour dans WAM un message de sensibilisation. On démarre aujourd'hui avec Clark Nemlin, responsable des moyens généraux à Live TV. Regardez. Bonsoir à tous, je suis Clark Nemlin. Nous venons à peine de finir le mois d'octobre rose qui consistait à dépister le cancer du sein chez les femmes. À côté de cela, nous avons le mois bleu, appelé aussi novembre bleu. C'est le mois de lutte contre le cancer de la prostate. C'est une maladie à ne pas négliger. C'est une maladie qui tue à petit feu. Donc, chère population d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, nous vous invitons à vous rendre dans les centres de santé pour vous faire dépister du cancer de la prostate. Et je vous remercie. Bravo. Merci Clark. Merci infiniment Clark.
Namelin, qui, je le rappelle, est le responsable donc, des moyens généraux chez Life TV. Allez, on poursuit avec notre vidéo du jour. Je vous préviens, en même temps, je ne ferai aucun commentaire après la vidéo du jour. Encore et toujours, les Baoulés. Après Djedeba, version Baoulé. Voici, ils ont sorti la version Baoulé de Viviane. Regardez. Non, le béni, c'est juste un petit enjaillement. Viviane, déporte sa peau. Sans fichier que besoin pour ma paix. Yeah, Viviano. Oh, Viviano. Déporte sa peau. Déporte sa peau. Déporte sa peau. Déporte sa peau. Sans moi, il dit votre bébé. Déporte sa peau. Sans moi, il dit votre bébé. Déporte sa peau. Déporte sa peau. Déporte sa peau. Déporte sa peau, Viviane, c'est toi qui déporte sa peau, non. Eh, Viviane, oh, Viviane, déporte sa peau, déporte sa peau, déporte sa peau, déporte sa peau. Oui, oui, monsieur, c'est toi, Lambda. Je ne voulais pas faire de commentaires. Oui, allez-y. Je voulais m'excuser auprès de toute la Viviane d'accord. De ce pays-ci, de la Côte d'Ivoire. Parce que cette Viviane qu'il est en train de chanter, c'est Viviane camerounaise. OK. Voilà, ce n'est pas la Viviane Akissi, Viviane Adjoa, Viviane Afoué. Non, non, non. Parce que Viviane de Porti Sakpo, quand même, ça veut dire, en camerounaise, ça veut dire Viviane qui est trop belle. Oui. Ah, donc ils ont compris la chanson. Ils ont compris la chanson. C'est moi, ils devaient dire ça. Ah, d'accord. Voilà. Allez la famille, on va poursuivre maintenant avec la pépite. Voici le jingle maintenant. T'abonner. Allez la famille, pépite 1, c'est baptisé sans doy, doy n'est rien. Yep, allez, première pépite sans doy, doy n'est rien. Eh hey Willy, y a quoi? Moi prendre avion encore, jamais. Pourquoi? Yeah, et ça c'est fini en l'air là-bas. On a poussé de Paris jusqu'en Italie. Non. Mais oui. C'est doy. Y'a moi qui ça veut donner quoi? C'est doy. Y'a moi qui ça veut donner quoi? Aïe. Sans doy. Doy n'est rien. Y'a moi dit pourquoi? Y'a moi dit pourquoi? Non, on peut pas parler, on peut pas parler. On peut pas parler. Ah. Les gens les plus forts, c'est Aoué. Et là, on se débrouille Aoué. Allez, pépite 2, débrouille-toi. Dis à ton voisin, faut te débrouiller. Débrouille-toi. Willy, hein? On a un extrait d'une conversation de Boris dans sa convalescence là. Avec une de ses petites. Il dit quoi? Il envoie un message. Il dit quoi? Bébé, je me sens seul. Ouais. La Goua a répondu, tu es né avec qui? Non, hé. Hey. Quand femme veut te parler mal, elle calcule pas, hein? Et puis c'est ben, il y a c'est qu'elle m'arrête de mettre le micro. Ça cravate. C'est qui lui là même? Je veux te ressembler. Tu veux me ressembler? Donc le message a été envoyé à 22h. D'accord. Et comme on sait que le gars a envoyé le message à 22h. Le gars qui est Boris, il faut préciser. Voilà, ouais. Il vient de prendre ses médicaments, tu sais, il a insomnie. Les antibiotiques, ça donne une insomnie. D'accord. Donc là, est-ce qu'il est né? C'est comme les gens, non, je te parle pas. Mais moi, si tu me parles pas, ça me dit rien. Ouais. J'ai fait 9 mois dans le ventre de ma mère, je n'ai parlé à personne. À personne. Donc pourquoi tu me parles pas, ça me fait quelque chose. Alors? Ça me fait rien. Rien. Voilà. Mais le bébé là, d'abord, c'est écrit avec un B majuscule. Ben, c'est quoi le rapport avec... Quand c'est comme ça, il y a l'appréhension. C'est-à-dire qu'il est encore en pointage. Ouais. Le bébé en relationnel, c'est écrit minusculement 2B. 2B. Oui, oui. Chut. Seigneur Jésus. Voilà, voilà. Voilà. Ouais. Non. Il y a des nouveaux dossiers. Je suis au respect. Willy, quelque chose me dit que la goût en question, c'est la soeur des Pépignans. Je pense même. Peut-être même son ex, qui sait. Il y a d'autres, il ne faut pas où un vrai va. Pépite 3, pauvre neveu. Oui, pauvre neveu. Yeah, ouais. C'était l'anniversaire de mon neveu. Mais on ne lui a rien dit, car on n'avait pas l'argent pour fêter. Il est vivant, c'est l'essentiel.
Joyeux anniversaire, neveu. L'année prochaine, Dieu va nous aider. Pipa être fort. Ouais. On peut faire ça. Pipa être fort. Yeah. On demande à une go. Yeah. Quel est l'avantage d'être en couple avec toi? Elle répond fièrement. Si on croise ta go, je peux mentir que je suis ta petite sœur. Hey! Quitte là-bas! Pardonnez, trouvez-nous le numéro de la fille là, c'est important. Tiens! Ouais. Allez, la go qui a accepté de venir faire un concours avec toi, et puis après maintenant ta vraie go arrive et puis elle dit non, je suis ta sœur. Oh, bon. Bravo! Non! Celle-là, c'est des animés, voilà. Ouais, Pépite 5, c'est simple. Voilà. Billy, ouais. Envoie une opération de mathématiques. On dit, ouais. Montrer que X est égal à 0. Montrer que X est égal à 0. Alors, le gars a fait son opération. Il dit d'abord, décollons X. Donc, on décolle X. Voilà, il sépare les deux côtés du X. OK. Il dit tournons X. Donc les deux côtés qui sont séparés là se retrouvent. Position de position. Voilà. Et après il dit recollons X. Donc on recolle maintenant les nouvelles positions. X est égal à 0 désormais. Je suis au respect. Moi aussi. Il a tué. Il a tué. Abbé. Il n'y avait pas meilleure explication que ça là. Vraiment. Même mon professeur de maths ne maîtrise pas ça. C'est un ingénieur. Hein? Ça, lui, c'est un ingénieur en mathématiques. Ouais. Et quand on voit même l'écriture, c'est qu'il n'est pas fort en français. En français, ouais. C'est quelqu'un qui est fort en français, il n'écrit pas comme ça. Non. Mais c'est un ingénieur en mathématiques et il doit être ébrié quand même. Parce qu'à ce moment-ci, ça va finir par un terrain vendu. Parce que le X qui est là, va finir par un terrain vendu. Un terrain vendu. Voilà. X égale à 0. Et puis il a cadré ça même pour le professeur. Non, lui là, bravo. Non, Pythagore, on ne connaît pas même. Oh. Allez, Pépite 6. Hé hey. Hé hey. Oh. 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 Non, mais... Ouais. Les gens sont méchants. Vraiment. On finit de tes bras. Et puis on te dit, ne change surtout pas. Tu es vraiment une bonne personne. Mais c'est une bonne personne, puis tu l'as pas. Oh. Ça là, moi-même, ça me fait mal. Il ne peut pas faire commentaire sur ça, la passion. Pépite 7, la vie est dure. Willy, on voit une maman qui envoie un message au papa en question. Elle dit, chérie, l'air est fini. Hein. Il répond, il y a ri, non? Donnez ri. Elle doit savoir que la vie est dure. Donnez ri à bébé, là. Donc, les amis, la vie est dure. Hein. La vie est trop dure. Quand c'est gâté, c'est gâté. Hein. Hommage à tous les pères ouais. qui vivent pas avec. Qui vivent l'enfant. Pas. Qui vivent pas. Oh! 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 Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? J'ai dit hommage à les pères. Mais yo, c'est ça. On est dans Pépite. Tu veux que je donne quoi à propos? Moi, tu sais, mon fils là, tu sais que même oh. Le bébé aujourd'hui, oh. bébé de 4 mois, commence à avoir tension. Parce que ça dure. Hein, ouais. Donc, les enfants même commencent à manger déjà. Donc, si le lait manque, le riz est bon. D'ailleurs, même le riz, même dans le riz, il y a du manioc aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. Surtout quand ça quitte en Chine, c'est vrai. Surtout quand quoi? C'est doy. Ah, oh, c'est doy. Oh! Non, vous êtes des malades, vous là. Pépite 8, hé, femme! Elle dit. L'homme ne va pas quitter son père et sa mère pour s'attacher à un homme qui dépense que 200 000 et qui pense que 200 000 est suffisant pour les fêtes de fin d'année. Attention! Donc 200 000, là, c'est rien, quoi. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Alors, 200 000. Elle pense que c'est suffisant.
Ou bien c'est l'homme qui pense. Non, c'est l'homme qui pense l'homme que deux hommes, c'est suffisant. Et d'ailleurs, même, il y a une faute dans le test. Ouais. L'homme ne va pas quitter. C'est-à-dire l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. N'est-ce pas? Mm-hmm. Donc là, elle écrit comme si c'est elle qui va quitter son père et sa mère pour venir s'attacher à un homme. Non, c'est l'homme qui la quitte pour s'attacher à sa femme. Alors, pourquoi? Parce que quand l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, tous ses revenus doivent revenir à sa femme. Mais par contre, quand la femme quitte son père et sa mère pour s'attacher à son homme, elle ramène toujours de l'argent à ses parents. C'est là qu'il y a la faute. La vie, il faut lui parler. C'est philosophie aussi. La vie, il faut lui parler. Tu connais tout ça là. Tu es quitté là-bas ou bien? Hey, Seigneur. Pardonnez, lui là, non. Lundi, là, on ne veut plus le voir ici. Merci. Oh. Allez, la famille, on le connaît tous donc pour sa maîtrise des chiffres et des statistiques. On a découvert une autre facette de sa personnalité lors du dernier After Work de USA Alumni Exchange Program Côte d'Ivoire. On regarde Stan Zézé. Voilà, comme quoi aussi, bien sûr, on peut être intellectuel, on peut être aussi homme d'affaires, on peut être en haut comme ça au sommet, et puis bien sûr aussi avoir des petits moments comme ça, surtout quand il s'agit de partager, et ce sont les afterworks de USA Alumni Program. Enfin, un gros coucou donc à ma vieille mère Malika, merci infiniment, et puis bravo encore, on attend les next, on y sera forcément, voilà. Et puis pour la petite info, vous tapez Bloomfield, la Côte d'Ivoire est fière de savoir que le patron donc de Bloomfield, bien sûr, c'est un Ivoirien, c'est Stan Zézé, l'homme aux chaussettes rouges, voilà. Allez. On ouvre maintenant donc notre météo pour savoir ce qui fait la pluie et le beau temps chez nos amis les Zouglous. Voilà. Et puis bien sûr chez nos amis les People. Voilà. Il faut savoir aussi bien sûr donc que cette météo-là est sponsorisée de main de maître par le même, l'unique Guizo People. Allez, une douce tempête musicale se prépare dans la région Zouglou de la Côte d'Ivoire. Plusieurs grandes figures de ce genre musical-là s'apprête à déferler sur le dôme du parc des expositions d'Abidjan pour un show électrique. Il s'agit donc pour Angelo Kabila, organisateur de l'événement, de célébrer les artistes qui ont marqué le temps et qui continuent de le faire à l'affiche Petit Denis, Soumbil, les garagistes Yodé et Siro et Espoir 2000. Annoncé peu avant le décès de Valérie, le concert Zouglou Légende sera l'occasion de rendre hommage au compère de Pat Sako décédé le 12 octobre dernier. Rendez-vous est donc pris pour demain, samedi 2 novembre 2024, à partir de 15h au parc des expositions d'Abidjan. Voilà, et donc on va encore applaudir à la mémoire très fort, s'il vous plaît, pour la mémoire de Valérie d'Espoir 2000. Le ciel est gris, le soleil s'est caché dans la zone Yusumba. Sakapinao. Voilà. L'info a été révélée donc par First Magazine. Selon la célèbre page d'Info People, l'un des membres du groupe Abutu Roots est actuellement très malade. Toujours selon First Mag, le chanteur a rechuté après un AVC dont il a été victime il y a un mois. Angelo Papa serait actuellement en hospitalisation au CHU de Yopougon. Il est important donc de rappeler qu'Angelo Papa est le leader vocal du mythique groupe Abutu Roots, qu'on a eu plusieurs fois la chance de recevoir ici sur ce plateau, la précurseur donc du style de musique Yusumba en Côte d'Ivoire, l'une des plus belles voix de la musique urbaine sur notre continent. Force à toi, grand frère. On espère très vite te retrouver sur pied. On est ensemble et puis on t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de force et de positivité. Force à toi, courage. Le temps, quant à lui, est beau, très beau même. Le soleil brille et les nuages sont en forme de clap. Et de caméra donc dans la zone de Mike Alabi. Sur ses réseaux sociaux, le chanteur a révélé qu'il se lançait dans le cinéma avec bien sûr le film Okechi Genesis. Qu'est-ce que ça cache bien sûr, on ne sait pas, mais Mike Alabi a annoncé que l'avant-première de son film aura lieu le 7 novembre prochain au cinéma Majestic au Sofitel, Hôtel Ivoire. La séance aura lieu à partir de 19h et l'accès sera uniquement sur carton d'invitation. On a pour vous ici la bande annonce du film, regardez. Qu'est-ce que ça bouge?
de la réincarnation Prince Okeshi. Iki. Comment on peut rater l'entrée d'un super-héros comme ça? Attendez. Un instant. Yeah. Maintenant, venez. Ok, chez Genesis. Bravo et beaucoup de succès à toi, Mike Alami, dans le milieu du cinéma. On ne sait pas si ça cache quelque chose aussi derrière, mais on sera tous là-bas le 7 novembre du côté du Sofitel Hotel Ivoire Majestic. Ensemble pour suivre en avant-première donc au Keshi, au cinéma Majestic, comme je le disais tantôt. Bravo encore, bravo. Allez, on passe à autre chose maintenant. Le temps est toujours aussi bon et beau dans la région. Allons avec ça, de la Côte d'Ivoire, avec le chanteur et arrangeur Tamsir. De longs mois après la sortie donc, du titre « Coup du marteau », le titre poursuit toujours son chemin et continue de détonner dans le monde entier. Le dernier fait en date nous vient de la page YouTube de l'artiste. Après avoir passé la barre des 100 millions de vues il y a quelques jours, le coup du marteau cumule actuellement 112 millions de vues en 10 mois de présence sur la plateforme. Que le titre continue de cartonner à travers le monde entier. L'histoire de cette chanson n'est donc pas prête de s'arrêter. On ne cessera jamais de féliciter Tamsir et ses gars pour ce vrai coup du marteau. Chapeau à vous et surtout bonne continuation. Allons ça, allons ça. Ils savent, ils ont vu qu'elle fait les vrais coups du marteau, mais on ne bouge pas trop. C'est important. Allez, s'il y a un autre endroit, en tout cas de notre pays, où le soleil s'est installé depuis quelques semaines, bien sûr, c'est la zone Likoufa. Depuis sa sortie, il y a une semaine, le maître et Djeneba Djaba, sa nouvelle compagne, se sont confortablement installés en tête des classements sur YouTube. Pour preuve, pour la semaine du 21 au 27 octobre dernier, le Mimi était en top 1 des artistes les plus vus sur la plateforme devant. Il était en top 1 des artistes les plus vus sur la plateforme devant Imra, Fally Ipupa et José et bien d'autres. Donc pendant ce temps, Djeneba Djaba se classait en top 1 des titres les plus vus devant Plus Haut de Roselyne Layo, Nekpani Nene de Moula et Double Jeu de José ou encore Explication de Suspect 95, un feat Roselyne Layo. Bravo à Debord pour ses performances là, Djeneba Djaba. Oulien, voilà, bravo. Allez la famille, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM à tout à l'heure. Merci infiniment d'être avec nous, les amis. Maximum d'applause encore, s'il vous plaît. Allez, on va accueillir ici maintenant tout de suite des talents. Ils viennent de partout dans la sous-région, partout en Afrique. Ils étaient donc les grands stars, et le sont toujours d'ailleurs, de la première saison de l'émission de divertissement, donc la première série, télé-réalité d'enfermement baptisée Secret Story. C'était la première saison, donc on a tous suivi ça donc, sur les antennes de Canal Pop. Et ils sont avec nous aujourd'hui pour la plupart un grand nombre. Je vous demande s'il vous plaît de faire un tonnerre d'applaudissements pour les stars de Secret Story qui sont avec nous. Accompagnés bien sûr donc de 11. Yep. Aquaba 11, comment ça va? Merci infiniment d'avoir. Merci. Aquaba, bienvenue. On dit quoi les nouvelles? C'est comment? Ça va les filles? Bienvenue, partagez, bienvenue. Le grand. Comment ça va encore? Merci, merci infiniment d'avoir là. On fait du bruit encore s'il vous plaît pour nos amis de cette catégorie. Merci. Merci infiniment. Waouh. Merci la classe. Quelle entrée! Une entrée donc digne de véritables stars. C'est un honneur, un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau. Les Juju, voilà, voilà. Franchement, de véritables scandales de beauté, mesdames. Avec des hommes vaillants et valides. Aquaba, le chef de file, celui donc qui, grâce à qui on vous a ici. Il était là sur ce plateau-là. Donc, c'est un habitué de la maison.
Rebonjour, très cher. Comment ça va? Bonjour, très cher, ça va très bien. Très cher. Tu es avec des très chers aussi, justement. Alors, on les connaît tous, mais je pense que on dit quand le genou est là, c'est quand la tête est là, pardon, c'est pas au genou de porter le chapeau. Yeah. Chacun va faire les salam alek. Voilà, on commence donc tout juste après toi. Hein. Oli. Oui. On est mort. Tu as dit quand le genou est là. Ouais. Et quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Ouais. En fait, c'est blasphématoire. Non. Si. Non. Parce que du moment où tu es arrêté, la tête est plus haute, c'est la tête, tu portes le képi, le chapeau. Mais une fois que tu t'assieds, ton genou va se plier et donner la forme de ta tête. Wow. Ça va seulement que le genou peut porter le chapeau. Mmh. Voilà. Voilà. Yélio, excuse-moi, vieux. T'es fort, mais ton maudit. Hein. Le citoyen lambda de Perpignan. Alors, tout juste à côté, donc bien sûr, donc on a la ravissante, la magnifique. La ravissante. Ouais. Toute belle, tout sourire. Merci pour les trucs. Donc, on va faire comme les capitaines d'équipe de football. Yeah. Hein, tu vois, non, tu présentes au fur et à mesure ton équipe. Tu vois, okay. C'est cela. D'accord. Donc, à ma droite, là, tout de suite. Elle est défonceuse. Si. Latéral droit. Latéral droit. Précis, la mettre. Précis, ouais, forcément. La mère tempérament, il voulait dire aussi la mère chichi, c'est ça? Souvent. Non, tempérament. Tempérament. Ouais, tempérament. Ouais. Ouais, même tempérament, est-ce que tu acceptes aussi tempérament? Ouais. Ah, tu acceptes tempérament. Oui, d'accord. Je l'ai pas vu. Si. Ah. Ça va mieux directement. Ça va mieux. Voilà, moi, dans mon équipe, je jouais 2-10. D'accord. Ouais, les jumelles, Ma et Mota. Bien, yeah, forcément. Salut les jumelles. Merci infiniment d'être là. Voilà. Wow. Dans l'équipe, on a notre coach. Ouais, lui, j'ai le grand. Le grand Emma. Le pater, le pater. À quoi, Emmanuel, comment voilà. Ça va? Merci infiniment d'être là. Dans toute l'équipe aussi, hein. Il y a un BG. Ouais. Voilà. Lui il parle pas là, beaucoup, il lave ses lèvres. Il fait beaucoup. Il a des gels, tout ça. En même temps, la force. Si. Et Tobias. Le Tobias, toujours. Tobias. Non. Alors, la famille, franchement, c'est un véritable plaisir. C'est arrivé comme ça. Je dirais même que vous avez cartonné, même que les éditions qu'on connaît à l'extérieur. Franchement, c'était une grande première. C'est pas évident qu'une télé-réalité d'enfermement sous nos cieux ici marche. On en a vu certaines qui ont essayé, mais bon, c'était pas le cas. Mais Secret Story Afrique, il fallait vraiment le penser. Comment est-ce que tu as vécu cette aventure, ma très chère, ici? Ouais. C'était énorme. D'accord. De rencontrer toutes ces personnes. Aujourd'hui, on a des liens qu'on ne peut pas briser. Malheureusement, ouais. On est liés. Ouais. C'était, je dirais, en un mot, c'était magique. D'accord. L'expérience Secret Story était magique. Tu as parlé de liens qu'on ne peut pas briser. Il y en a deux ici, en tout cas. Je dirais, elles ne forment qu'une seule personne, même si Dieu les a envoyées deux. Ouais. Voilà. Et les jumelles, oui. Franchement, vos liens, les gens ont essayé de les briser. Juste, bien sûr, donc pour corser un peu le jeu. Ouais. Mais on a vu que c'était plus fort que vous à un moment donné. Tout à fait, c'était incroyable. Au début, il fallait qu'on s'adapte à une situation qu'on ne maîtrise pas. C'est cela. Quand tu parles de liens, c'est qu'on est toujours ensemble, même dans nos travail. Alors, arriver dans cette maison où l'une devait entrer et que l'autre fasse croire à l'autre que sa jumelle est retournée chez elle, c'était incroyable. C'était difficile, mais ça nous a beaucoup permis de grandir et d'apprendre, n'est-ce pas? Ouais, de ouf. C'est Secret Story, au-delà de cette compétition télé-réalité, ça a été une leçon de vie. Je l'ai dit, le joueur à Jean-Michel. À qui on fait un coucou d'ailleurs, Jean-Michel. Oui, un gros coucou à Jean-Michel. On a adoré vivre cette expérience, on a adoré être avec des personnes, les découvrir. Ouais. Mais aussi nous-mêmes, on s'est découvertes nous-mêmes dans l'aventure. Et qu'est-ce que vous avez découvert au fait, vous? J'ai découvert que je pouvais tenir 24 heures sans elle. Et sans téléphone, c'était sans plus de 24 téléphone. Heures. Oui, le téléphone n'était pas notre plus gros challenge. C'est ça. Notre plus gros challenge était de vivre l'une sans l'autre. Wow. J'ai découvert que je pouvais faire de la merde et elle encaisser. Et quand et vice versa. Quand je suis venue, quand je l'ai vue, j'ai vu que au-delà de moi aussi, elle pourrait s'adapter. C'est ça. Même si c'est pas évident, etc. Ouais. Et on a plus aimé l'Afrique quand même en étant avec des candidats qui représentaient aussi bien leur pays. Ça nous a donné des ouvertures et en même temps, il fallait le faire. Ouais. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire. On pourrait
voir. Si, si. Ou peut-être, bon, s'il y avait un plus gros cachet aussi, hein, une bonne cagnotte pour démarrer, oui. Oui, très cher. Moi, la question, c'est-à-dire qu'elle dit que elle est forte, tout et tout. Mais demandez à Tobias, lui qui n'aimait pas s'il avait. Est-ce que ça a été. Oh je connais Tobias, c'est pas maintenant. Tobias, c'est vrai. Tu sais que le groupe que tu vois, c'est comme une chorale. Hein. D'accord. On a les choristes, on a le pianiste. Lui, il ressemble à un pianiste. Vrai. Ouais, le lead vocal. Ouais. Et Tobias. Le manager qui est là-bas. Donc, toi, tu vois, les gens qui sont un peu clairs, là, ils n'aiment pas se laver. D'accord. Cas, si tu n'es pas lavé, est-ce que tu as pu faire deux jours sans te laver? Tobias, oui. Est-ce que ça t'est arrivé? Je me lavais tout le temps. Allez, je lavais tout le temps quand même. Arrête. Justement, Tobias, tu as le micro maintenant, Tobias. Justement, tu es très vite sorti de l'aventure. À un moment donné, tout le monde se posait la question de savoir, bon, voilà un mec qui est en train de se faire chier là-bas dans cette maison-là. Justement, c'était quoi ton premier sentiment quand tu es parti? Ouf, enfin. Ben, déjà, j'étais un peu déçu de moi-même, ouais. En vrai, mais... J'ai passé quand même une très belle expérience avec la famille quand j'étais dans la maison, même si. Durant une semaine. Et là, on se retrouve tous, donc du coup, j'aimerais revivre ce que j'ai pas pu vécu dans la maison. Quoi. C'est mais c'est déjà mort, hein. ils ont déjà tout vécu. Ils ont déjà tout... C'est bon. On va faire ça le week-end, justement. On va en parler dans quelques instants. Le pater, le grand, l'homme du continent, Emmanuel. Hey. Justement, moi aussi, mon deuxième prénom, c'est Emmanuel. Oui. Sauf que c'est à la maison, chez ma maman, on dit ça. Voilà, Manu, ouais, direct. Manu. Donc, je te jure, Manu. Oui, j'ai suivi comme ça, juste maintenant, tu devais t'appeler pas Emma Willem. Ouais, pas Emma Willem. Oui, j'ai suivi ça. Eh, viens là, commencer. Viens là. C'était l'homme des proverbes, c'était un griffe, le sage, justement, mais avec une grosse histoire, un gros secret. Il est sorti vivant. D'un crash, on ne va pas en revenir là-dessus, mais franchement, je pense que c'est un véritable, une véritable histoire, un véritable témoignage de vie. Est-ce que tu penses que ton témoignage a permis donc d'aider plus d'une personne à faire une thérapie, une sorte d'exutoire, en fait? Bon, Willy, je crois bien, puisque moi-même, ça m'a aidé. L'aventure m'a aussi aidé, parce que j'étais une personne fermée. Si. Après l'aventure, je vois que ça m'a aidé à... je suis maintenant ouvert vers d'autres personnes. Ça aussi, vous savez, après 4 ans de cet incident, je n'en ai pas parlé jusqu'à cette émission. Donc, ça m'a aussi libéré. Et je crois que d'autres personnes aussi ont en profité de mon courage et de mon expérience. Je suis content d'avoir vécu cette expérience. Ouais. Je crois que, comme tu as demandé, si on me devait encore, oui, je crois que je devais encore repartir. Ça, c'est bon, ça, en tout cas. Franchement, c'est fort. Ah. Et justement, on va repartir dans la maison. On va repartir dans la maison. Il y a même eu un hymne qui a été confectionné. Là-bas, il y avait des voix qu'on a entendues, bonnes et super bonnes, on va dire comme ça. Allez, on a un extrait donc de ce qui s'est passé dans la maison lors de la confection donc de l'hymne Secret Story. Regardez. Secret Story One. Oh. Yeah. Alors. Je vois les filles qui sont mortes de rire, franchement. Ça rappelle beaucoup de choses, hein, franchement, ce qu'on vient de voir. Et puis, elle est soir. Il était toujours en train de dire. Ouais. Mais pour une chanson, mais pour un mot, on met un âge. Yes. C'était compliqué, mais c'est un plaisir de composer cet hymne. Ouais. Vous ouais, savez, pour une première, voir autant de retombées, voir comment les gens apprécient tout ça et comment les candidats se sont débrouillés avec les moyens du bord. Ouais. C'était ouf. Ça nous a plus rassemblés et ça nous a plus montré qu'on avait en réalité beaucoup de points communs entre nous, comme vous voyez là. Mm-hmm. Donc les habitants, on aime tous la musique, on aime tous chanter, tous danser, on aime tous être dans nos éléments, c'est pour ça que ça a matché vite fait pour c'est ça. C'est cela. Justement, on va repartir dans la maison des secrets. Et ce qu'on va faire maintenant, on a prévu un tableau, le tableau des secrets. Chacun viendra en fonction de ceux qui sont ici et écrire quelque chose qui caractérise cette personne-là. Peut-être sans dire, donner le nom de cette personne. Et chacun après dira, je pense que c'est ce mot-là qui me caractérise. Et la personne qui l'a écrit dira, oui, c'est vrai, non, c'est faux. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Un peu de blablabla, d'accord, ok. Donc, on commence donc par, ma très chère, Tré, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Voilà. Juste pour ceux qui sont présents. Donc, tu écris, tu regardes, tu as certainement une personne à qui tu as toujours voulu dire quelque chose.
tu ne l'as jamais dit à cette personne-là en face, et tu vas écrire cela, et la personne, sans dire le nom, donner, dévoiler l'identité de la personne. Ici, ouais, une personne. Non, ici. Il est dedans aussi. Hein, ça... Allez, vas-y, let's go. Ouais. Tu regardes bien. C'est le moment, en tout cas, aussi, de régler des comptes aussi. Hein. Non, je déconne. On n'est pas là pour ça. Je déconne. Hey, Dieu. Hey, Dieu. C'est un piège. C'est un piège, ouais. Gain, 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 gain. C'est quoi ça, là? Il va connaître. Aïe! D'accord. Ok, je comprends, je vois. J'ai ma petite idée. Merci, Tracy, pardon. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Allez, les jumelles, venez, les filles. Les Juju. Elle écrit, j'écris. Attention. Ou c'est... Ouais, ouais, bon. La plus grande. Généralement, on dit que généralement, chez les jumeaux, les jumelles, celle qui sort en deuxième position, elle est née. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et c'est qui l'aîné? Ah si, c'est qui est sorti même? Moi, c'est Mota, je crois. D'accord, donc c'est toi qui lui a dit va voir si c'est bon, je viens. Ouais. Ah non, c'est elle qui m'a dit va voir, je suis donc, venue. Donc c'est elle, alors. Donc ouais. vous concertez, et puis vous voyez la personne. On écrit quoi, en fonction de quelqu'un ou en fonction de notre ressenti? En fonction de quelqu'un. Quelque chose qu'on n'ait jamais pu dire à quelqu'un, okay. Et vous allez le dévoiler aujourd'hui ici, par vos écrits, le tableau des secrets. Moi, je vous mets, on n'a pas eu le temps. Ouais. On n'a pas eu le temps d'oui de lui dire au revoir et le... La jumelle, c'est un seul mot, hein. C'est un mot, elle veut faire une phrase. Tu peux la demander, elle savait écrire. Oh, il est bête, lui, là. Parce que la dame, elle a écrit pour un anglais. Éphémère, qui est éphémère ici? Attends, il ne faut pas dévoiler. Éphémère. Oui. Elle parle des choses, elle ne parle pas des gens qui sont là. Non, mais des gens, en fait. Des gens qui nous lisent. Oh, ouais. Un mot qui définit bien une personne ici. J'aurais aimé par rapport à l'aventure. Éphémère, c'est bon, on va expliquer pourquoi. Ouais, pourquoi? Ouais. Éphémère, ouais. Donc, elles ont choisi le mot éphémère. Très bien. Éphémère, ouais. C'est bon. Ça marche. Bravo, les jumelles. Merci. Thank you. Allez. Je vais demander à Emmanuel de me rejoindre. Le pater. Eh bien. Yeah. Ouais. Préparer ou prépare? Préparer. D'accord. Eh oui. Ok. Alors, viens, Tobias. Tobias! Ouais. Mais là, si tu voulais casser la gueule aussi de quelqu'un, casser la gueule. Non, je déconne. Hein? Tobias, c'est l'homme, hein? Hein? Non, mais les jolis garçons, ils aiment ça. Ils viennent puis, mais. Désir, puis, vraiment. Alors, et en dernier lieu, bien sûr, donc le capitaine. On va l'appeler comme ça, ouais, vas-y. Ange. Hé, hey, Ange. Hé. Gengengo. Gengengengengengengo, frère. Très bien. Allez, on va applaudir nos amis. Alors, Tracy, pour toi, c'est le secret de qui? Le stratège. Du stratège, bien sûr, c'était évident, le grand frère, parce qu'il est vraiment stratège. Prêt. Ouais. Et je pense, franchement, moi mon cœur battait pour tout le monde, mais c'est vrai, au-delà de Emmanuel autre, j'ai appris beaucoup aussi avec toi, avec tout le monde d'ailleurs, mais surtout, j'ai appris que quelqu'un peut partir au plus bas, être dans les hécatombes, mais revenir encore plus fort. Avec vous, chacun, on a appris surtout la résilience aussi avec toi aussi, Ange. Ouais. Tracy, on a appris surtout aussi qu'il ne fallait pas aussi mâcher ces mots, qu'il fallait aussi bien sûr donc avoir de la personnalité. Les filles, on a surtout appris avec vous bien sûr qu'au-delà de la sororité, être franc avec une personne aussi, c'est important, ça compte aussi bien sûr, mais surtout aussi l'amour entre vous deux. Après, on a appris aussi
que lorsqu'on est prêt pour faire quelque chose, on le fait. Quand on n'est pas prêt, on ne le fait pas aussi. Mmh. Et cela, personne ne va le changer avec Tobias aussi. Mmh. Chacun a sa personnalité. Mmh. Chacun aussi. On suivait, hein. On suivait. Éphémère. Mmh. Donc, pour les filles, qui est éphémère ou qu'est-ce qui est éphémère? Voilà, on va contextualiser. Donc, ouais. Moi, je le parle par rapport à notre aventure, à ce qu'on a vécu, etc. Ouais. Donc, de tout ce qui s'est passé, des moments qu'on n'a peut-être pas eu pour nous montrer, parce qu'on a pensé à des choses, ouais. On a fait croire à des choses, etc. Et quand j'ai mis éphémère ou quand j'ai pensé à éphémère, I was thinking about when we were going out to the house. Yeah. Quand on sortait de la maison. C'est ce qui veut dire que tout le monde ne parle pas anglais ici. Ok. Il y a eu au moment la nomination quand on sortait de la maison. Si, si. Actuellement, quand Jean-Michel a dit c'est Maïmota qui va sortir là, moi dans ma tête, je m'en fous de Maïmota qui sort. Ouais. Mais il est une minute là, j'aurais aimé voir tout le monde autour de moi et qu'ils ne retiennent que ça. Wow. Sénégal, Sénégal, magnifique, Damrabaï, ce mot-là, c'est ça que ça m'inspire. C'est ça que j'aurais aimé refaire, en fait. Ouais. C'était court et j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus significatif et qu'on garde le plus important. C'est ça. Éphémère, pour moi, ça rejoint le fait que je n'ai pas eu forcément le temps de découvrir beaucoup de personnes dans la maison. Yeah. Et non, surtout par rapport aux affinités que j'ai avec certaines, pour ne pas dire la plupart. Éphémère, ça rejoint le fait que je n'ai pas eu le temps de plus me dévoiler en tant que moi-même ma. Et qu'il fallait qu'on soit deux à matcher nos deux caractères pour être bien avec tout le monde. Ce n'est pas facile, c'était éphémère. Ouais. Mais on dit Alhamdulillah parce qu'on retient que le positif actuellement. Yeah. C'est ça. Ah, c'est fort hein, ce que vous avez dit, thank les filles. You, thank you. Yeah. Allez, Emmanuel. Oui. Tu as dit préparer. Préparer, ça va aux jumelles. D'accord. Parce que elle mangeait trop, mais elle ne préparait jamais. On va se rattraper. Forcément, mais justement. Je ne mange pas l'omelette avec les concombres à la salade. Je vais vous montrer comment. Mais je dis rien, le tchèp. Si, si, le tchèp ou dien. Waouh. Je salue la tante depuis 13 000, au moment du bon tchèp dien. Pour notre frère. Aïe, j'aurais dû mettre aïe. Aïe, aïe. Parce qu'il met de l'ail dans tout ce qu'il mange. L'ail avec Emmanuel. Et franchement, c'est clair que c'était le doyen, mais il fait beaucoup de sport aussi. Et franchement, excellent. Beaucoup, beaucoup ici devraient en faire. Tu faisais beaucoup de sport. Justement, désir pour Tobias. C'est destiné plutôt à... Se reconnaît la personne. Ange, d'accord. Ange, puisque c'est la personne qui était le plus désirée par les filles dans la maison. Quoi. Ange, C'est le corps du désir. Et voilà. C'est cela. Nickel. Et puis enfin, frère donc. Ouais, pour... frère, justement, pour parler de Tobias. Ouais. C'est vrai que c'était une semaine dans la maison, mais c'est quelqu'un vraiment qui était très à l'écoute. Si, si. Et puis, on rencontre des gens comme ça et puis on n'arrive plus à se séparer d'eux. Mm-hmm. Franchement, c'est un gars qui est cool, qui est super, quoi. Ouais. Tu peux l'appeler à tout moment, il est là. Il est là, ouais. Donc la preuve, dès que j'ai dit, je réunis tout le monde, il a dit, je viens. C'est ça. Et il est là aujourd'hui, franchement. Merci infiniment d'être là, franchement. Ouais. Justement, parlant donc de réunir toute la famille, il y en a quelques-uns qui sont là, mais les autres aussi, bien sûr, vont nous rejoindre ce week-end, si je ne m'abuse. Ils arrivent là aujourd'hui. Voilà, même. C'est ça, ce soir, puisqu'on est déjà vendredi, c'est cela. Et on se retrouve donc du côté du BBR, voilà, pour les retrouvailles et des échanges. Donc, voilà, ça démarre, on va dire, c'est depuis le 31 octobre, on va dire, depuis les arrivées, jusqu'au 3 novembre. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera au BBR déjà. Donc, il faut dire, bon, ils viennent déjà pour m'asseoir. C'est cela. Voilà, qui est aujourd'hui, ce soir-là, justement, qui est la Angels Party. Yeah. Mais il faut meubler tout ça. Ouais. Donc, ça part de... Waouh. Yeah, je te jure. Hein. Mister donc, Secret alors. Story. Fallait meubler tout ça. Secret Story, direct. Premier. Fallait meubler tout ça. Ouais. Faut pas qu'ils viennent et puis on va s'ennuyer. Si, si. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce week-end. Weekend. On appelait ça The Weekend. The Weekend, ouais. C'est une idée que j'ai meublée depuis la maison des secrets. Ouais. Je parlais de ça à Tracy en rigolait. Et il fallait être fou pour me suivre aussi, parce que ça s'est fait dans un laps de temps. Donc big up déjà à BAM Production, qui est ma production avec qui j'ai signé récemment. Mm-hmm. Toutes les infos officielles vont sortir ce soir. Super. Voilà. Super. Et puis, franchement, c'est ça. Ils m'ont accompagné, ils ont cru en moi. Ouais. Moi aussi, je leur fais confiance. Mm-hmm. Les choses se passent bien jusqu'à présent. Merveilleusement bien, en tout cas. Voilà. Ici. Et on est là, on va s'amuser, on va kiffer. Ouais.
désolé pour ceux qui sont pas, qui vont pas être de la partie. Suivez-nous sur les réseaux. Suivez-nous sur la. Donc, voilà, toute la clique sera là et puis ça sera le feu. Si, si. On va s'amuser comme à l'ivoirienne. Il fallait que le monde ça. Non, 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 bon. Mon frère, on ne peut pas s'amuser à l'ivoirienne. Tu as dit déjà que toi, tu vas t'amuser et nous, on a qu'à te suivre sur les réseaux. Nous, en tant qu'association des lanceurs de sorts d'Abidjan, vous connaissez déjà les lieux. Ne pas aller seul, il ne faut pas, ils vont nous inviter. Pou, on va jeter dans le cheveu. Pou, ça n'a rien, mais pou dedans. Justement, Tobias. Tobias, avant de se dire au revoir, en un mot, c'est quoi, ce sera quoi la presse Secret Story? Pardon? La presse Secret Story pour toi, c'est quoi? La presse, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Je ne sais pas comment on appelle. Tu cherches la vibe? J'ai repris mes. Après l'aventure, tout ça. Bah, j'ai repris mes travaux. Moi, je suis en tant que. Je suis créateur de contenu dans le pays, je suis acteur dans des films, dans des séries. Et j'ai repris le travail après 2 mois de repos. Quoi. Ouais, de repos, voilà. Si, si. Top, plein succès à toi, en tout cas. Et pour le grand Emmanuel. Et pour Emmanuel. Ah, pour moi, comme Tobias, j'ai repris le boulot, mais c'est un peu différent maintenant, parce que juste dans un monde où je n'étais pas avant, dans un monde des showbiz, c'est compliqué. Maintenant, dans la rue, quand je passe pas, chaud, ouais. Tonton Emma, on peut prendre des photos. Tonton Emma, pour moi, je n'étais pas habitué avec tous ces trucs. Mais ça va, je suis déjà habitué pour le moment. C'est cela. Je me suis lancé dans d'autres choses aussi. Il y a des prestataires qui sont arrivés pour des films. Super. C'est, donc, pour moi, c'est, j'ai un agenda chargé dans les jours à venir. Franchement, en tout cas, on te souhaite que du bon encore. Merci. Le pater, le patriarche, Emmanuel. Les filles, alors, et vous, c'est quoi la presse Secret Story, les Juju? Après Secret Story, c'est plus d'ouverture. Ouais. Plus d'ouverture. Ouais. C'est la reprise de nos activités, de nos émissions, de nos événements. Nickel. Mais c'est plus l'ouverture à l'Afrique et à l'international. Et on espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. Vous savez quoi? Ne perdez jamais votre sourire, il est magnifique. Merci. Il est incroyable. Précis. Et toi? Moi, après Secret Story, déjà, c'est comme tout le monde le sait, je suis maman. Ouais. Donc c'est vraiment profiter de ces moments-là avec mes petits boutchous, mon mari, ma famille, quoi. Et aussi, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Donc, créatrice de contenu c'est que je faisais vite déjà fait partiellement. Comme ça. Maintenant, là, ça devient plus sérieux. Forcément. Et on a tous ces contacts-là, maintenant, qu'on reçoit, de faire animatrice et autres. C'est vraiment des choses qui s'ouvrent, alors que j'ai fait Secret Story Afrique et on a l'Europe qui s'ouvre à moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il fallait que je me lance pour, au final, que vous puissiez me voir. Donc, je suis très fière de moi, déjà. On est fiers de toi aussi. Pu laisser ma famille aller faire cette aventure-là et... Je ne regrette rien, donc je suis très contente. Bravo en tout cas, merci. Ange, tu l'as dit, hein, ça va être dévoilé tout à l'heure donc sur la page Facebook de ta maison de prod. Mais pour l'heure, on retient la Angel Party. C'est dès ce soir-là, du côté donc, du BBR. Vous savez, pour aller au BBR, si tu n'as pas, tu vas pas là-bas légalement, il faut commencer à nager en même temps pour traverser pour aller au BBR. Et puis moi, après votre passage ici, on va poursuivre cette émission, mais il y a la pub. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes vendredi, précisément le 1er novembre 2024. Bonne fête à tous les saints. Celui qui va arriver déteste. Celui qui arrive déteste les lundis. Voilà pourquoi il sort uniquement les week-ends. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le magnifique. Le magnifique. Wouh. Allez voir. Est-ce que lundi vous aimez pas? Moi je déteste même, je déteste. Est-ce que lundi vous aimez pas? Moi je déteste. Viens, excuse-moi. C'est un tchou ou bien ses cheveux blancs, vrai? Ça dépend de mon âge. Bah, tu peux te coucher, hein. On s'est dit que tu voulais t'étendre. C'est vrai. Ouais. C'est comme vrai. Tu n'aimes pas le lundi. Avant que lundi n'arrive, profitons du vendredi. Tu sais, Willy, tous les mots qui commencent par V, là, il y a la joie dedans. Exemple. Villa. Voiture. Virement. Vin. Vendredi. C'est les mots qui commencent par V, là, vilain, là. Il y a la joie dedans. Oui. Attends-moi, là. Tous les vilains garçons, c'est leur loc. Oli. Oui. Moi, j'aime pas ces manières-là. Pourquoi? Tu es vilain? Il me dit...
Prends ses mains de Yobo. Il m'a que les cheveux, ça va. Ah, j'ai entendu. Ouais, on t'écoute. Non, je suis découragé, au fait. Parce que lui, lundi, le 9, ah, moi, je suis né un lundi. Voilà. En fait, donc, à quel moment, moi, je peux l'énerver? Lundi, c'est la lumière. Ouais. C'est Yabongo. Lundi, c'est Yabongo. C'est Yabongo. Comme tu dis, c'est la lumière, là. Louté. En fait, non, tout ce que commence par elle aussi. Il y a quelque chose dedans, il y a Richard dedans. Non, lundi est doux seulement que quand c'est férié. Ouais. Quand le virement passe, lundi, ça vous en sait doux. Voilà. Voilà. Ça c'est doux, lundi. Vous répondez, ça m'énerve. Ça m'énerve. Lundi 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 y a boulot. Ça m'énerve. Lundi ça travaille. Ça m'énerve. On doit se lever tôt pour ne pas être en retard. Ça m'énerve. On doit lutter baka, les warren, les buissons. Ça m'énerve. Amoutéage va nous tcha. Ça m'énerve. Arriver au bureau. Ça m'énerve. La petite du wiki qui est encore dans le corps. Ça m'énerve. Mais tu peux pas dormir, ton patron te regarde. Ça m'énerve. Tout ça là c'est lundi, ça m'énerve. Odeur des boissons dans le climatiseur. Mais justement, j'ai une question pour tous les, nos amis, trucs, les tapeurs de clavier. On ne sait pas si lundi ou vendredi les énervent, mais le jour où ils récupèrent l'argent, ils sont contents. Lundi les lanceurs de mails. On a un extrait justement d'un lanceur de mails de Macori. Regardez. Yes, oui, je suis à New York. Ah, tu sais que je ne suis pas à New York. Chien là, imbécile. Regarde ta nuque, on dirait c'est le daga là. Ta bouche, on dirait saxophone. L'homme, tu mets la lèvre là depuis le matin pour couper Gaou. Attends, c'est la main, je vais la prendre. Allô, madame? Oui, allô, monsieur. Bonjour. Bonjour. Pardon, je me suis trompé, je voulais faire dépôt à quelqu'un et puis je voulais faire le dépôt. Ah bon? Hein, j'ai envoyé 100 000. 100 000 francs. Prenez 30 000, envoyez-moi 66 000. D'accord, maintenant comment il va faire pour pouvoir confirmer? Non, ne vous fatiguez pas. Je vous ai déjà envoyé retrait, validé seulement. Voilà, il y a un code que je vous ai demandé là. Je vous ai donné le code là, mettez ça oui, dedans. Oui, il y a vu ça ici. Voilà, vieux dièse. Ok. Voilà, vous avez fait? Oui, c'est parti. Vous avez reçu? Ah, c'est arrivé, ouais, c'est arrivé. Attends, monsieur, vous avez balayé tout mon compte? J'ai balayé tout ton compte. Donc toi, c'est 15 000 seulement, tu avais dans le pays, là, puis tu te promènes. Regarde comment t'es... Ça va pas rester comme ça. C'est la jeune dame. Ça, c'est les gens de lundi là qui font les. C'est les gens de lundi là qui font ça, justement. Les détruisant comme ça, mauvais gré. Et là, justement, c'est un message que tu passais. Oui, voilà. De faire attention aux anaqueurs. C'est cela. Il y en a un peu partout. Comme lui, par exemple. Tu vois. Est-ce qu'il y a des gens, quand ils rentrent dans ton maquis, ils sont préparés pour ça. Quand ils rentrent net, la serveuse, ils rentrent. Elle dit, monsieur, je vous sais. Elle dit, non, j'attends les amis. Il est assis seul. Quand il voit un groupe de clients venir, lui, c'est là, il va vers eux. On peut vous servir quelque chose, il prend la commande. Tout ça, si vous avez un gros billet, donnez-moi pendant que vous buvez. On va faire la monnaie. Il s'en va, il passe la commande, on sait, et puis va-ouin, il est parti, c'est vrai. Les gars finissent de boire. C'est vrai. Donc, t'as déjà fait ça. Les gars finissent de boire et demandent une autre monnaie. Il dit, quelle monnaie? Quel notre collègue qui nous a servi là, quel collègue? Votre ami qui vous attendait. Dis-moi, mais quand c'est passé et puis tu viens dévoiler ces secrets-là aujourd'hui? Non, réponds-toi. T'as vécu ces gens de suite. Sur ce podium-là, ma conscience est assise, non? Ouais. Assise, c'est assise, si. C'est là, il a dit tête trapèze. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons ici le président des anaqueurs de Macori. Alors, comment vous opérez? Alors. Tu sais, dans la vie, c'est pas parce que le bébé que tu as emprunté ne pleure pas que tu vas pas le rendre à ses parents. Moi, quand même. Parce que, oui, c'est pas grave. C'est un bébé sans os qui savait pas. Willy, non, Willy, ne me coupe pas la parole. Ne me coupe pas la parole, Willy. On fait du bruit pour le magnifique, s'il vous plaît. Oh, non. Le magnifique. Oui. Magnifique, tu viens avec une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le vendredi 1er novembre et justement ce soir, il y a un rendez-vous. À partir de 19h, oui. L'affiche y est. Voilà. À partir de 19h, c'est où exactement? À Macori, Capsule, supermarché Capsule. D'accord. Il y a un cinéma dedans qu'on appelle Pâté. Pâté, si. Voilà, dans la salle 6,
Ce soir, à partir de 19h, on sera en show. Wow. Tu vois les enfants qui sont en bas là? Si, si. Voilà, joli. En fait, c'est eux qui sont assis ici, mais on ne les voit pas. Voilà, c'est spirituel. Moi, je te dis, quelles que soient les avancées de la technologie, l'enfer ne sera jamais climatisé. Jamais. Tu vois les enfants qui sont là? Si, si, Jolina, joli. Abraham. Ouais. Voilà, ils sont à la répétition Harmonie. Ouais. Voilà, depuis un moment, je travaille avec eux, je les forme. Ouais. On avait produit déjà Rina Favor. C'est ça. Voilà. Magnifique spectacle aussi, tout à fait. Et puis ceux-là, on les met en scène ce soir même à 19h. On les met en scène? En scène. Ah, voilà, on les met sur la scène. Mais est-ce qu'on peut venir avec du pain? Ouais. Scott a pâté. Tu penses que c'est pas ils sont pas comme c'est pas. Non, je demande parce que le spectacle va se dérouler où? Soit c'est pas, t'es passé à saucisson. Allez, le titre du spectacle, c'est La famille magnifique. La famille magnifique. Avec Magnifique Event et puis bien sûr, donc pâté. Voilà. Voilà. Donc, c'est pourquoi il voulait avoir le pain, mais si, il dit, si. C'est, tu serais bloqué à l'entrée. Tu vois Baoulé. En fait, Baoulé, c'est voilà une ethnie. Là, quand même, il faut respecter. Il faut prononcer Baoulé avec beaucoup de tendresse et d'amour. Ouais. Parce que c'était là au commencement. Et Robert, tu vas dire quoi? Vous venez d'Égypte? Oui. Nous, on a quitté en Israël. Non, mais nous, on était. C'est parce qu'on est quitté en Israël, le porc a dérangé les gens que nous, les guéris, on mange le porc pour ne plus qu'ils retournent encore dans la maison du Christ. Et le porc, nous, les rebelles, les ouais, les guéris, on l'utilise sous toutes ses formes. Ouais. On prend son nez pour faire porte-clé. On prend son queue. Et, ah, bon. Aïe! Rendez-vous ce soir! Ouais. Rendez-vous ce soir! Ouais. À partir de 19h00 au cinéma Pâté, entrée voilà. 10 000 francs CFA, 20 000 francs à distribution. La si tu peux 20 000 francs. C'est moi qui donne tout. Voilà. Si tu peux 20 000 francs, on te donne narine de porc. Voilà. On prend que là pour faire stylo. Allez, on joli. On prend graisse là pour faire pommade pour ce chat. Joli dans joli, Abraham le merveilleux, Harmonie Hassani, voilà. Info line 05 55 55 81. Magnifique. Oui. Excuse-moi. Il est assis déjà. Il sait que c'est pas bon pour moi. Faut pas me toucher. Les gens étaient tous en arrière de leur journal.